Mesdames, Messieurs, amis et téléspectateurs, faisons la caille qui connectent nous tous partout dans le monde. Là, un grand bonjour, un grand bonsoir pour nous toutes. Et je dis à ce vendredi 29 septembre, toute équipe là est nous déjà motivée et mobilisée. Nous portons pour vous quelques parmi nouvelles et qui ont dominé l'actualité. Nous parlons sous frontière Elias Pigna. Gagnons une situation. Haïtiens qui ont sorti dans le pays Saint-Domingue ont confronté. En bas, mais yon groupe jeune garçon qui sous frontière, eh bien, kap débalisé, kap déchepillé haïtien yo. Tout ça, pour malheureux, yon pote sorti dans le pays, Saint-Domingue, nous connaît, gen yon situation critique, gen yon gros affrontement entre Saint-Domingue avec Haïti, à cause canal sous rivière Massacre. Le gouvernement dominicain fâché, yon pas d'accord pour peuple haïtien, et ouze plus passer 3000 hectares, et dans pleine Maïbao, et bien c'est ça qui vient déboucher tout et parler en pile ça côté gain plus passé 61 000 haïtiens qui déjà quitté pays Saint-Domingue. Mais dans zone Elias Pigna, gain un groupe gang, un groupe jeune garçon qui volé tout ça haïtien au poté. Et Dominique qui mettait deux mains en tête après les en moins, il a demandé à gouvernement central pays Saint-Domingue voyez plus soldats sous frontière. Parce que yon connivence en Dominicain avec Haïtien pour déchepiller Haïtien yo. Et réseau gang ça là depuis longtemps. Chaque fois nous avons frontière Elias Pigna toujours à fermé. Et mais c'est groupe gang ça, groupe garçon ça yo. Depuis yon besoin l'argent yon fermé frontière. Kounia, frontière fermé, c'est Haïtien qui a payé ça. Haïtien qui prend l'Haïti, c'est yon qui a payé les conséquences là. Moi pour partager quelques vidéos ensemble avec nous. Pour nous voir comment ça a marché. Mais c'est pas seul ça nous pourrons présenter dans la vidéo ça. Nous connaissons le gouvernement Jovenel Moïse, il y a une usine Alphat que le gouvernement était mis dans plusieurs zones du pays. Après qu'il a fini assassiné, tout le bagage ça a été abandonné. Non seulement abandonné, eh bien, il y a un paquet haïtien, eh bien, qui si tellement intelligent, là nous dit intelligent dans le sens volant, eh bien, yo volo moté, usine sa yo, yo volo caoutchouc, et bien yo même, yal formé propre usine asphalte pa yo. Ensemble avec propre moté, pièce qui nan asphalte l'État pour peuple haïtien, c'est ça yon groupe garçon, un groupe nèg, ap marché fin, et bien genan yo, sabe la justice, getan vle mette la patte sou yo, nous pral permettre de suivre toute information ça. Restez connectés ensemble avec nous. Point chaise bao, on a le suivre. Muchísimas gracias. Buenas noches. Decenas de nacionales haitianos que residen en la República Dominicana continúan regresando a su país por la frontera de Elias Pigna de forma voluntaria, mientras que otra gran cantidad de ellos, denominados buscones, permanecen de este lado y según denuncias, estos saquean sus propios compatriotas próximo a la línea limítrofe. Bueno, vamos a ver lo que va a hacer porque no se puede vivir así en esa situación con corazón soltado, subiendo. Bajando, vamos a ver lo que va a hacer. Esa gente viene de Santo Domingo, ellos solo se está yendo. Oíste, ¿Por qué no pueden? Porque la cosa está duro, está demasiado duro. Y los militares, oye, los militares, policía, ejército de la guardia, todo, inmigración. Entonces no puede con la situación. Ya me va, ya me va. ¿Y por qué te va? ¿Eh? ¿Y por qué te va? Mejor yo me quedé en mi país. Déjame decirte que es un abuso lo que está pasando aquí. Están engañando al presidente. El señor presidente lo están engañando aquí en esta frontera. Hay un desorden aquí. Miren cómo están los haitianos aquí, en el perímetro de la frontera. Vengan auxilio de nosotros, señor presidente, porque le están hablando mentiras. Gracias. Pero dicen que estos haitianos lo que están atracando, que si los guardias no están ahí, atracan a todos. Ahí hay un contubernio, ahí hay una negociación que hay ahí. Hay que reforzar más la frontera, señor presidente. Venga aquí a Elias Pigna, que hay un caos. ¿Entiendes que hay desorden aquí? Sí, es así. Mire cómo podemos observar, mire cómo están los haitianos en las entradas. Y apenas dos guardias ahí que no pueden controlar ese tumulto de haitianos ahí. Hay que tomar carta en el asunto. Y es verdad que yo vi ahí un grupo de haitianos que están justamente ahí en las curvas, ahí mismo allá. Si esos haitianos están atracando ahí y ahí dentro aquí de la República Dominicana, entonces yo tendría que hacer un llamado en este caso al jefe de las Fuerzas Armadas
para que tome carta en el asunto, porque realmente no está bien. Y además de eso, se le estaría faltando la palabra del presidente de la República, que para el presidente, ahí abajo no hay un solo haitiano. Si están atracando, esperamos que los guardias tomen medidas, las que deban tomar para que eso se corrija. En Elías Piña, Sandy Familia, para el grupo de medios Telemicro. Buenas noches. Nan mouman ki nan pale ya la, debatman Grenes nan tèt an ba, se la nou pral wè, prezidan Jovenel Moïse pat ka pa mouri. E prezidan Jovenel te chaje Elmi, tribo pa bo, nan kat kwen peyi d'Ayiti, ak tout li tap travay, yo pat jam valorize travay ke prezidan Jovenel tap fè. E bien gen yon istwa ki pase lan Grenes nan la, getan gen yon seten de N, Sony, Flegansye ki ambakod, nan mouman ki nan pale ya la, delege departemental Grenes nan ki se César Lucien, e bien fè tout suivi avèk jige de pè, mélange avèk la polis, yo arete N, Sony, Flegansye li menm, ki antre nan izin asfalt ke Jovenel Moïse tap fè, y te mette nan komin Wozo, e bien, misye antre la dan, li vole servo, materyel yo, li pran kaoutchou, li pran motè, yal fè prop izin asfalt yo, pi yo kapab vann moun nan peyi d'Ayiti. Bagala pa kare kon sa, nou wè, le yo mande ki es ki met film sa, yo di se senate Sorel Jacinthe li menm, ki se met film sa, ki se MCCO, eh bien, sénateur Sorel Jacinthe ordonné messieurs yo entrer dans usine que Jovenel Moïse t'a fait pour peuple là, comme ça pour route qu'a fait dans département Grenes là, yo volé moteur, yo volé cerveau, caoutchouc, yal fait prof film pa yo qui les MCCO. Ba yal a pas carré comme ça dans pays là, faut que la justice foure bouche dans cause là parce que sénateur Sorel c'est opposition litéyé sous président Jovenel Moïse. C'est un tambou déboudage nom ça y est. Et nous qu'on y a là, c'est derrière Ariel Henry l'a marché. Ariel Henry pa ka fè, nèg sa yo pa pran code, nèg yo a volé matériel l'état, matériel kap itil pèp ayisyen yan, et bien yo entre là-dedan, yo pa gen autorisation pou yo entre là-dedan pran cerveau pou yal fè prop film pa yo. N'ap mande la justice mete nèg sa yo en bas code pou vol sa nèg yo fè sous usine que Jovenel Moïse ta fè ki tap itil pèp ayisyen yan. C'est là nou wè peyi a pa ka développé avec jan de politiciens sa yo, politicien qui pas penser pour peuple li, politicien qui pas veulent ouais changement dans pays a, et bien nèg yo entre dans matériel l'état, yo prend toute pièce yo besoin, yal formé propre usine pa yo qui c'est MCCO. Bagala pas carré comme ça. Partager message dans tout pays a pour nous capable démasquer voler sans vergogne sa yo, et yo arrêter youn déjà pour continuer marer vacabon sa yo qui fait zak brigandage dans pays a. Comme département Grenes nan pa gen moun, c'est ça que fait messieurs sa yo capable bambiler dans bien l'état comme ça. Sinon, peuple la té de entrer la caïne sa yo, boule yo ensemble avec toute famille yo, parce que yo haïtien, c'est eux même qui mettent peuple la misère sa yo jodi a là, pour toujours manifester, pour prendre 1000 goud la main yo, pour y aller voter sans vergogne sa yo, qui c'est marchand pouvoir, tambou de bouda qui a tout pouvoir dans pays d'Haïti. Zami mwen yo, bagay la compliqué, toujours ça gen rapport avec information, chef gang criminel Izo, nous connaît qui c'est chef gang village de Dia, frappé sodo très fort, et Izo dit li perd 10 âmes avec munitions qui t'a sorti dans République Dominicaine. Et bien tout autant li pa joine munitions sa yo ensemble avec gros calibre âmes li a...